Hop. Hop. Oh merde. Attends. Voilà, faire ça comme ça, rien. Hop. On va mettre la touche là. Hop. Touche magique. Voilà, ça je nique pas ma souris. Corde. Voilà, clic. Clic, voilà, facile. Voilà, facile. Maintenant, le problème, c'est que là-dessus, tu peux pas mettre de mur. Tu vois, c'est dommage. Moi, j'aurais bien fermé, fait une toiture entre les deux. Mais c'est pas possible. Je suis triste. Ça, c'est vraiment dommage. Et du coup, t'as vu, j'ai avancé quand même les murs du dessus. Parce que les murs du dessus, on sait bien que c'est chiant. J'ai toujours pas enlevé ça parce que... Sur quoi j'étais focus? Attends, ça a évolué en fait? Ça avait évolué, ça se passe comment? Non, la tour était finie. Enfin, finie. Ouais, je l'avais finie. Il manque des murs. Manque des murs et des fenêtres, mais c'est fini. Ouais, ouais, c'est... Il manque une barre ici, c'est normal. C'est parce que là, j'ai mis la poutre comme ça. Elle voulait plus se mettre, alors j'ai dû enlever des trucs. Enfin, tant pis. Et au final, on voit que c'est une poutre de merde qui sert vite fait, quoi. Mais ouais, voilà. Ça, c'est... Voilà, ici, c'est censé être ouvert, je crois. Je sais plus. Il y a des trous partout. C'est un peu le bordel. Ouais, ça, je verrai après. Objectif toi, c'est ça? Alors, objectif, avant de faire le... d'enlever les poteaux, je dois fermer le toit. Parce que ce type de toiture est assez relou, en fait. Ce type de toiture, quand tu enlèves les poteaux, des fois il veut pas mettre les lattes de plancher. Et il me faudrait un lit dans le coin. Ça y est, la touche table elle fonctionne. J'ai pu remettre mon bouquin sur table comme sur The Forest. Il n'y a pas un endroit où je peux mettre un lit. Je vais le mettre sur le toit. Bon. Alors là, l'objectif, c'est d'enlever les trucs, mais je peux pas tout enlever. Parce que là, par exemple, j'ai enlevé le truc de merde en bas, je vais faire une sauvegarde, je vais enlever toutes les sauvegardes de merde. Maintenant qu'on est à jour. Attention parce que c'est compliqué, il faut pas l'enlever. On va enlever celle-là. Enlever celle-là. Du coup. Oh, c'est tellement cool la croix là. J'ai même un truc qui est resté sur day one parce que je bloque le temps. Alors compliqué. Donc ça va faire ça du coup, ok. Ici je peux enlever. Par exemple ça je la vire. Ça je la vire, ce qui me fait virer ça, ça et ça. Ah ouais c'est pas la même taille putain. Ça je l'enlève. Ça je peux l'enlever. Ah non attends. J'enlève le poteau avant.
Ah voilà, c'est là où il veut pas. C'est là où il va poser des problèmes. Ouais, puis en plus en ce moment de modifier des trucs. Et tu vois là, je peux pas corriger par autre part parce que c'est que des pentes. Donc il y a sûrement des poteaux qui vont devoir rester dans l'histoire. Et ça me dérange beaucoup. Sauf si j'enlève d'abord. Oh putain. Oh putain. Oh putain de merde, ok. Sauf si j'enlève d'abord le plus au milieu, c'est sur la longueur. Je prends le milieu de cette longueur et j'enlève à partir du milieu en allant vers les extérieurs. Oh, ça va être compliqué, c'est génial. Là par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 poteaux. Le milieu c'est celui-là. Faut enlever celui-là d'abord. Ah oh, bah il veut pas s'enlever. Ah ouais, il faut faire ça, tête de con. Ah ouais, même pas, il faut pas s'enlever. Carrément pas du tout. Ils vont finir par réussir à corriger la plateforme volante, je pense. À force de faire. S'ils insistent, en fait, c'est ça le truc, c'est que s'ils insistent, ils vont finir par y arriver. Sur The Forest, ils ont insisté beaucoup. Et la plateforme volante, ils l'ont pas supprimée, ils ont fait que la modifier au fil des mises à jour. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut toujours en faire. Mais là, à force d'insister, peut-être qu'ils vont finir par y arriver finalement. C'est pas que ça serait bien, mais. Moi, tout ce que je veux, c'est que les fondations, elles soient pas dégueulasses. Je veux pas des poteaux partout, je veux pas plein de merde partout. C'est tout. Si je fais ça. Ça c'est. Déjà avant les patchs, ce toit était extrêmement compliqué à faire tenir sans poteau. Sur la deuxième sauvegarde, la maison qui est juste au bout du pont, donc la deuxième maison, elle a un toit comme ça, mais en plus petit. Si moi je les tape, parce que je peux les enlever, mais si moi je les tape, ok, ça change rien. À quoi que je le fasse, je peux pas enlever celui-là. Et si on fait carrément l'inverse, renforce de ouf comme ça. Parce que là c'est renforcé mais dans l'autre sens. Il veut pas. Ah, j'insiste hein, toujours. Toujours insister. Ok, donc ça marche pas. Attention, ça peut pas l'enlever parce qu'il y a la barre. Celle-là peut être enlevée, imaginons parce qu'on connaît la mécanique de plateforme volante, on sait que des fois faut enlever des barres comme ça. Imaginons que ce poteau m'empêche d'enlever celui-là parce que cette barre repose là-dessus. Ok, c'est pas le cas. Ni celle-là d'ailleurs.
Mais je peux pas l'enlever. Et comme ça, je peux l'enlever. Wow, qu'est-ce qu'ils ont foutu? Après, je veux bien en laisser, hein. Ça fait RP, quoi. Par contre, ceux-là, j'en veux pas. Ceux-là, j'en veux pas. Je veux bien laisser celui-là, en vrai, mais celui-là, j'en veux pas. Et je peux pas l'enlever. Et puis c'est nul si celui-là et celui-là, il reste. Faut laisser celui-là avec, quoi. Déjà, celui-là, il saute, j'en veux pas. Ça, c'est sûr, hein. Ils sont mal mis, ils sont... que là c'est putain de merde. Voilà, oui, attends. Voilà, je préfère ça. C'est pas le ouf. Là, la manip, c'est pas le ouf, quoi. Si je fais ça, je peux pas l'enlever. Et si je fais... Ça, avec ça... Et puis si je mets ça ici... Et que... Putain, mais c'est... Les deux barres... C'est parce qu'elles sont pas renforcées en poutre entrée. Donc là, la mécanique est complexe parce que c'est pas pareil que la plateforme volante. La plateforme volante, elle est horizontale tout le long. Là, on est sur de la diagonale tout le long. C'est beaucoup plus complexe à faire tenir. Je savais bien que cette toiture allait être casse-couille. Ok, bon. Donc faut que je réfléchisse à des poteaux que je vais laisser, mais j'ai l'impression que je peux juste à pas avoir le choix. Quel enculé de ta mère! Allez, vas-y. On va laisser celui-là aussi. De toute façon, c'est ça. Tu peux pas aller là. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Ça s'en bat les couilles. C'est un grenier aménageable. Dans un grenier aménageable, il n'est jamais totalement aménageable. Au pire, il y a des armoires, il y a des trucs sur les côtés. Oh putain. Tu vois, ici c'est possible parce que c'est fait exprès. Ici, ce côté, c'est plus ce côté qui va être vivable. L'autre côté, c'est pas les couilles. Pas les couilles. L'autre côté, je peux me te laisser tous les poteaux si je veux. Mais c'est juste parce que là, il y a l'entrée, ça me dérange. Tu vois. Il y a l'escalier, là, ce poteau, j'aurais voulu le virer. Oh putain de merde. Ça c'était une manip dangereuse, mais bon, vu que c'est le début, je m'en bats les couilles, je peux avancer la sauvegarde. T'es sûr que tu veux pas l'enlever là? T'es sûr de toi là? Ah, va te faire enculer. Pas saoulé. Est-ce que ce truc, maintenant, il aurait une importance dans le délire de poutre en treillis? Parce que c'est une plus grande poutre en treillis, c'est censé faire tenir plus de choses, non? Mais fin, étant donné que les développeurs ont réussi à faire ça, attends... Venant de Night Game, impossible qu'ils aient fait ça, tellement ils sont pas cons, ils sont débutants, pousse-toi, tu me gênes. Pourquoi tu me fais dire des... J'ai pas dit qu'ils sont cons, ils sont juste débutants dans certaines mécaniques, dans des trucs basiques pour certains trucs, mais ça c'est trop compliqué, ça. Trop compliqué pour eux, ça. Et si je fais ça, tu vois, regarde, ça, regarde, abracadabra, moi je sais, regarde. Poutre en treillis, 1, 2 et 3 barres, et poutre en treillis, tu vois, tu... Ils ont modifié un sale truc. Ils ont modifié un truc qui est vraiment sale. Et arrête cette musique, elle crie dans les oreilles là. J'ai vu, je le vois sur le record. Elle est trop forte. Me force pas. J'ai pas envie de la supprimer. C'est chiant. Ou alors faudrait que je trouve plein d'autres sons avant de les enlever. Mais faudrait que je la passe dans le logiciel de montage et que je la baisse, quoi. Parce que je le sens sur la rediff. Elle est trop.
Bon, allez, je laisse ça pour le style. Non, c'est Vegas, ça. Oh putain. C'est bon, il n'y a plus de problème avec YouTube, j'ai l'impression. J'ai plus de réclames pour des musiques libres de droit, techniquement. Hein. Voilà. Comme la musique de Vegas de Hitman Blood Money et la musique de. On avait une autre là. Une musique de James Bond. Là. Enfin bon, voilà, on va pas non plus essayer, on va pas laisser le robot YouTube écouter cette musique. Hein. On va essayer de parler le plus possible par-dessus, espérant que j'ai des choses à dire. Bon, là l'objectif ce serait d'enlever vraiment tous ces poteaux. Non là par contre je suis sérieux, hein. Là je rigole pas là. Là c'est pas une blague, en fait. Voilà, là c'est pas une plaisanterie. Là je suis sérieusement sérieux. Voilà. Tous ces poteaux au milieu, j'en veux pas. Donc tu fais comme tu veux, comme tu peux, mais t'enlèves tout, en fait. Il n'y a pas de comme tu veux, t'enlèves tout. Est-ce que je fais par le milieu d'abord ou... Oh putain, il y en a un qui bouge pas. Oh putain, il y en a deux qui bougent pas. Oh putain de bordel de ta mère. Oh putain de fils de pute. C'est parce que j'ai mis les poutres en treillis avant le patch, non ? Non, non, c'est juste parce que t'es un connard. Oui, oui, oui. Non, c'est juste parce que cette toiture est extrêmement compliquée et extrêmement complexe à faire tenir sans poteau. Oui, oui, c'est surtout ça, oui. Oh putain de merde, ok. Ça va rester. Celui-là est dans le passage, j'en veux pas. Même juste ça ? C'est vraiment hallucinant. Cette toiture, il y a deux patchs, elle aurait tenu sans poteau. Elle aurait tenu sans poteau, la pétasse. Toi, tu bouges, c'est bien. Et là, tu bouges toujours. Et si j'enlève... Mais t'es sérieux. Je vais faire une sauvegarde. Pas sur la même, on sait jamais. T'as lock time parce que j'ai... Ah non, attends... Hop. Ah ouais déjà. Déjà pour commencer. Donc lui je peux l'enlever parce que j'ai mis ça ici. Lui une fois que j'ai mis ça je peux plus l'enlever. Même si j'enlève ça, je peux plus l'enlever parce qu'il faudrait que je mette ça ici. C'est drôle. Fous de ma gueule là. Je sais pas. Même comme ça marche pas. Réfléchis. Parce que même la mécanique, même le jeu en fait, il comprend pas lui-même comment il fonctionne quoi. Parce que quand tu vois ça, je suis désolé, mais ils ont rien corrigé.
Ça c'est drôle. Si je fais ça. Logique. T'en penses quoi, toi? Toi, t'es complètement à l'ouest. Toi, t'as... Fils de pute. T'as pas compris, toi, que la poutre en treillis, là, elle fait reposer elle. Comme elle fait reposer elle, elle s'appuie dessus, tu vois. Même celle-là, tu veux pas me l'enlever, tu sais, parce qu'il n'y a pas de poteau ici. C'est intéressant, non? Du poteau, je peux pas le remettre. Après, ils sont pas mal placés, c'est juste que c'est pas symétrique et moi ça me dérange. Après, je peux faire ça. Ah ouais, mais il faut pas remettre le poteau là. Faire un truc, j'ai une idée. Quitte à laisser deux poteaux, je laisse deux poteaux au milieu. Là. En espérant que l'autre il veut bien l'enlever. Putain, je dois refaire les commandes, fait chier. Bah, peut-être pas le gun mode parce qu'il a l'air de rester entre les sauvegardes, entre les chargements. Mais pourtant, je suis obligé de remettre le shit stick. Non, c'est 7. Donc je voudrais laisser ces deux là. Lui je l'enlève et lui je l'enlève. Tu fais ça. Ah lui il se fout vraiment de ma gueule. Ah lui il se fout vraiment de ma gueule. J'ai juré qu'il a un problème. Il mérite une baffe. Je peux pas enlever ce que je veux, quoi. C'est n'importe quoi. Celui-là, il me gêne. Celui-là, il est nul. Et si je mets un mur, il en pense quoi, le jeu? C'est stupide, parce qu'il y a deux poteaux. Stupide parce qu'il y a deux poteaux. En fait, pour faire ce genre de toiture sans poteaux, il faudrait, si j'ai une bûche horizontale, je peux être une poutre en treillis, potentiellement enlever celui-là. Il faudrait laisser des poteaux centraux, mais c'est nul parce que ça ferait deux pour sa symétrie. Et même si t'en laisses que un d'un côté, histoire de dire... faire tout un truc plat, après avec des carreaux dessus. Faire la pente, de côté un quart aussi. Ça pour enlever un poteau là. Ouah, non mais laisse tomber. Salut, c'est Linux. Vas-y. Ça se passe comment l'autre côté là? Ouais, d'accord. Ouais, d'accord. C'est bizarre, c'est alterné. Ah non. Oh bon alors là... Là c'est compliqué. Pourquoi
pourquoi ceux-là, tu veux pas les enlever alors que c'est... T'as compris, quoi. C'est le plus proche de la poutre. Oh, si ça va être l'enfer, ici. Pourquoi celui-là, tu veux l'enlever? Ah, ouais, ouf. C'est, hein, avoir une poutre en treillis, ça veut rien dire, hein. C'est pas parce que t'as une poutre en treillis que c'est à cause de ça que tu veux partir ou pas partir, hein, tu sais. Faudrait finir le toit là-bas avant de faire d'enlever les poteaux. Voilà. On va passer par là. Il n'y a pas le double saut d'activer parce que je viens d'arriver sur la partie. Super. Touche magique. Hein, voilà. Bon, après, je trouvais des techniques hein, pour poser ça là, sans se faire chier. Regarde, hop, tu te fais pas chier là. À te déplacer constamment. Vas-y, arrête de prendre pour un con. Ça marche mieux avec les planchers parce qu'il a l'air stupide dans les côtes. Voilà, ça c'est fait, ça c'est fait. Ça c'est fait, ça c'est fait. Je sais pas, je me dis, est-ce que si j'enlève les poteaux, il va pas vouloir mettre ces poteaux là? Ça, ce sera un fils de pute à ce point. Ok, ouais. Et si c'est comme ça, c'est normal. Ouais, bah ouais, fais ça, mais tout de suite maintenant. Ça sert à rien. C'est bon, j'ai ma vraie hache maintenant, je peux arrêter de jouer au con. Parfait. Eh mais t'es un fils de putain, c'est dangereux. Régénération des armes. Attends putain, vous m'avez déplacé. Vous m'avez déplacé mon truc là, c'est pas cool. Hein. Fils de pute. Et là tu vas me dire ouais c'est caché, non c'est bon c'est pas cassé. Parce que je te casse la gueule moi. Pour la peine enlève ça là, c'est bon, on va saouler. Prends pour un con. Allez hop. Je me ferais chier à couper quoi. Voilà, pas se faire chier à couper hein. Hop. Voilà, ça c'est fait. Après, va pas me dire, ouais, tu peux pas mettre les poteaux, t'as enlevé les poteaux parce que t'es un poteau. Bon, c'est... Celui-là, je l'enlève. Celui-là, vraiment, je suis chiant, il est dans le chemin. Franchement, il est chiant. Celui-là aussi, là, il m'a fait chier. Dégage. Je peux enlever celui-là, c'est ça, c'est vraiment de la merde. Pousse-toi, tu gênes. Ok, c'est bon, t'excites pas. T'en pousse-toi, tu gênes. T'en sais quoi ça? Pousse-toi, tu gênes. Du coup, si je fais ça, ça sert à rien. On a vu tout à l'heure, hein. Voilà, bracadabra, tu bouges pas. Si je fais ça parce que ça sert à rien, voilà, hein, t'as compris. Lui, il veut pas s'enlever. Lui, il veut pas s'enlever. Mais si je fais ça, là-dessus, c'est complètement con. Hein, et complètement débile. Mais je peux enlever celui-là. Ils sont pas mal placés. Enfin, si, ils sont mal placés. Si, ils sont mal placés. Si. Ils sont juste mal placés, quoi. Non, parce que si j'aurais fait celui-là ici, peut-être que lui il serait reparti. Mais bon, on a vu tout à l'heure, ça marche pas. Alors, du coup, t'enlèves la poutre en treillis pour la peine. Voilà. Moi, je voulais les laisser pour le style, mais vu que t'en as rien à foutre, bah, je vais niquer la logique moi aussi. Voilà. Tout ce que t'as gagné, ça. Espèce de connard. Bon, lui, tu veux pas l'enlever? Pourquoi? Parce qu'il y a la poutre. Oui, bah oui, bah bon, ok. Bah, ok. Là, pourquoi? Parce qu'il y a la poutre. Bon, bah, si tu me casses les couilles là aussi, c'est parce qu'il y a la poutre. Bah, alors, quand tu m'emmerdes,
Je sais bien que ce toit, il est complexe, il est casse-couille à faire tenir, parce que c'est que du travers, mais... Bon, heureusement, ils sont pas au milieu de la pièce, quoi, les putains de poteaux. Vas-y, enlève les doublons, là. Ça me saoule. Ok, on peut enlever celui-là, hein, sans poser de... Ouais, bah, si tu veux. Ah, il a cassé les couilles, mais tu sais qu'il repose sur un endroit qui est pas censé rester. Hein? T'es au courant de ça? Moi, je me pose la question si t'es au courant de ça. Vas-y, mets le poteau, là. Mets le poteau, là. Oh, putain, je vais m'énerver. T'es sérieusement con?